Je suis Elena Reville, chercheure en sciences politiques au laboratoire de sciences sociales PACTE et responsable scientifique de l'ODENOR. Damien Tessier, maître de conférence, directeur de l'ODCRA et je travaille au sein du laboratoire SENS. Et nous sommes tous les deux co-responsables de l'axe prévention, promotion de la santé et inclusion de la MSH. Alors d'abord la santé, elle est entendue au sens large. On parle notamment de prévention. L'idée c'est d'anticiper, d'éviter la survenue de problèmes de santé. Mais également de promotion, le fait de favoriser le pouvoir d'agir des individus par rapport à leur santé. Et au final, l'idée c'est l'inclusion, la santé comme facteur d'inclusion des personnes dans la société. Alors l'axe PPSI poursuit deux objectifs. Tout d'abord, favoriser la compréhension des facteurs susceptibles d'avoir un impact négatif sur la santé. Et deuxièmement, c'est concevoir, mettre en œuvre et évaluer les effets d'action ou d'intervention qui vont permettre de développer le pouvoir d'agir des personnes, leur bien-être et leur inclusion dans la société. Et en définitive, il s'agit d'identifier des leviers de prévention et de promotion de la santé et du bien-être pour expérimenter des interventions, des actions qui vont agir sur ces leviers. Alors l'axe PPSI se situe à la croisée de différents champs scientifiques, la sociologie, la science politique, la psychologie, et s'appuie donc sur les méthodes qui sont liées à ces champs-là, telles que par exemple l'entretien, l'observation participante, le questionnaire ou l'observation directe du comportement. Trois observatoires constituent les outils d'action des travaux qui sont menés au sein de l'axe PPSI. Le premier observatoire est l'Observatoire des non-recours aux droits et aux services, l'ODENOR, qui depuis près de 20 ans produit et diffuse de la connaissance sur la question du non-recours, sur les raisons qui font que des personnes n'accèdent pas à leurs droits sociaux fondamentaux ou ne veulent pas de certaines offres sociales ou de soins. Deuxième observatoire, c'est l'ODCRA, l'Observatoire territorial des conduites à risque de l'adolescent, qui a pour ambition donc de prévenir les conduites à risque de l'adolescent, mais également de promouvoir leur motivation et leur bien-être à l'école. Et enfin, le troisième observatoire, l'Observatoire de la parentalité et du soutien à la parentalité, qui recueille et communique aux parents et aux professionnels de l'enfance les informations, les outils et les données scientifiques les plus récentes sur la parentalité. Cet observatoire est dirigé par Rebecca Begg-Shankland en lien avec Ilka Milanov. On peut en premier lieu penser à la question du non-recours, le fait que des personnes ne bénéficient pas de certaines aides, prestations, services auxquels elles pourraient prétendre. En comprenant mieux le phénomène, on peut faire évoluer des pratiques, celles des travailleurs sociaux, des professionnels de la santé. On peut faire évoluer l'organisation du système de protection sociale et de santé, par exemple. Autre préoccupation, c'est de contribuer à la diffusion des compétences sociales et émotionnelles au sein de l'institution scolaire, ainsi qu'au développement d'un climat qui soutient les besoins psychologiques des acteurs, par le biais notamment du programme Unplugged et du programme Promob. En effet, l'institution scolaire a un rôle de premier plan dans la promotion du bien-être, à la fois des élèves, mais aussi des enseignants. Et on peut aussi citer une question très actuelle, celle du burn-out parental. L'épuisement parental, on le sait peu, a plus d'impact sur les enfants que l'épuisement professionnel des parents. On peut souligner que l'axe est en prise directe avec la société au travers de ces trois observatoires. Il dialogue constamment avec des intervenants du monde éducatif, social et sanitaire via notamment les déjeuners des observatoires. C'est un cycle de conférences mensuelles qui permet de mettre en discussion les résultats et travaux de recherche auprès du grand public.